rechauffement des relations de coopération entre le Tchad et les États-Unis, le secrétaire d'État Rex Tillerson est à N'Djamena depuis ce matin. Il a été accueilli, il a été reçu en audience par le président Idriss Déby Itno. Tchad Hand, le chef du gouvernement, a reçu en audience des opérateurs économiques au menu des échanges, les opportunités pour investir au Tchad. Les précisions dans cette édition. Un accord est signé pour sauver l'année académique. Le gouvernement et le syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur ont trouvé un compromis. Les deux parties s'engagent à sauver l'année académique en cours. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, dans le cadre d'une tournée africaine, se trouve depuis ce matin à N'Djamena. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Chérif Mahamat. Reportage, Mahamat Souleymane. Après le Kenya, c'est le tour de N'Djamena d'accueillir le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il reçoit tous les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Chérif Mamazen. La visite du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les continents dans la lutte contre le terrorisme et encourager la bonne gouvernance. À travers le séjour de Rex Tillerson, il s'agit de la première marque d'intérêt de l'équipe de Donald Trump à l'égard de l'Afrique. Après son arrivée, le secrétaire d'État américain a été reçu en audience par le chef de l'État. Il a été question de renforcement des relations de coopération et de lutte contre le terrorisme au Tchad et dans le Sahel. Le commerce international était également au menu des échanges. Le film de l'événement avec Ngarsadim Ngamnadi. Les relations de coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique ne souffrent d'aucune ambiguïté. La preuve, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a foulé le sol tchadien ce lundi 12 février 2018. À la tête d'une forte délégation composée des officiels et des journalistes, le secrétaire d'État américain a franchi le perron du palais présidentiel. La rencontre du président de la République, Idriss Déby Itno, avec le secrétaire d'État américain, qui s'est déroulée en présence de leurs collaborateurs respectifs, a permis de discuter sur trois points essentiels. Il s'agit de la coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme et du renforcement des échanges commerciaux entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique. Son Excellence le Président Idriss Déby Itno a appelé au renforcement de la coopération bilatérale par son extension à d'autres domaines comme l'énergie, le commerce et la promotion des investissements. Le Tchad est encore vierge dans l'exploitation de ses ressources naturelles et regorge d'énormes potentialités. Abordant la question de la lutte contre le terrorisme, Son Excellence Idriss Déby Itno, après avoir réaffirmé l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et toutes les formes de menaces transnationales, a salué les efforts soutenus des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde en général et au Sahel en particulier, et leur a exprimé ses remerciements pour leur contribution de 60 millions de dollars au financement de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que pour leur précieuse assistance en matériel et équipement militaire, en renseignement et en formation, tant dans le cadre bilatéral que dans celui de la force multinationale mixte de la CBLT. S'agissant de l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain, le secrétaire d'État, Rex Tillerson, a relevé que dans un futur proche, cette interdiction sera levée, car les experts des deux pays travaillent sur les points de divergence. Le rapport sur ces travaux sera bientôt examiné par les autorités américaines. Comme le secrétaire d'État l'a dit, un rapport sera soumis très prochainement, je pense, aux autorités compétentes. Nos services de sécurité ont travaillé ensemble pendant longtemps et toutes les conditions sont réunies pour que le Tchad soit retiré dans un proche futur de cette liste. Et comme cela a été rappelé par le secrétaire d'État, la coopération va s'étendre à d'autres domaines, notamment au commerce, aux investissements, à l'énergie, etc. Et je pense que le Tchad et les États-Unis sont deux partenaires
qui sont liées par des intérêts stratégiques, et ce n'est pas la question de cette inscription sur la liste qui pourrait porter atteinte à la coopération. Les autorités tchadiennes apprécient à sa juste valeur le fait que le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, ait choisi le Tchad comme première étape de sa visite officielle en Afrique. Une tournée qui le mènera après le Tchad successivement en Éthiopie, au Djibouti, au Kenya et au Nigeria. En marge des travaux de la conférence internationale sur le solaire à New Delhi, le chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, a accordé une série d'audiences à des potentiels investisseurs au Tchad. Le compte rendu de ces audiences avec Gassissou Sakanga. Mis à part les coopérations bilatérales pour contribuer au développement du Tchad, le chef du gouvernement n'hésite pas quand l'occasion se présente d'encourager le partenariat avec le secteur privé. C'est ainsi qu'il a ouvert les portes de sa résidence officielle de New Delhi, tour à tour à la société ONGC spécialisée dans les hydrocarbures, la société Arnova Technologies pour le solaire et le représentant indien des petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre Paimi Padake Albert avait à ses côtés pour la circonstance le ministre du Pétrole et de l'Énergie Béchir Madé, le secrétaire général de la Primature Liman Mahamat et le directeur général de l'ADER Jean-Paul Mbatna. Narendra Verma, directeur général de la société ONGC, est venu auprès du Premier ministre pour relancer un vieux projet de 2015 qui n'avait pas abouti faute de suivi. Il compte apporter la contribution et l'expertise de sa société qui est spécialisée dans les hydrocarbures et présente dans plus de 20 pays. Paimi Padake Albert a fait savoir, bien qu'il existe déjà au Tchad des sociétés de renom international dans ce secteur, le Tchad a encore des possibilités et des réserves importantes de blocs à exploiter. Il demande à ces derniers de se rendre à N'Djamena pour les discussions techniques au sein du ministère concerné et la faisabilité du projet. Arnova Technologies, à travers son manager général Kumar Gupta, lui aussi déjà en contrat avec le Tchad dans le cadre du PND, est venu avoir le soutien et l'aval du Premier ministre en vue de finaliser les différentes conventions qui lui permettront d'installer une unité de production de lampes économiques et engager un partenariat gagnant-gagnant avec la SNE. Là aussi, le Premier ministre a instruit le ministre du Pétrole, Béchir Madé, à poursuivre les démarches nécessaires au Tchad pour l'aboutissement du projet. Enfin, la dernière audience a été accordée au coordinateur des petites et moyennes entreprises indiennes regroupées au sein de Geta International. Celles-ci ont sollicité l'accord du gouvernement tchadien pour se rendre au Tchad et voir dans quelles zones elles peuvent intervenir, surtout quand on sait que ces entreprises sont spécialisées dans le textile, l'agroalimentaire, le confort hospitalier et les infrastructures. Le Premier ministre Paimi Padake Albert a rassuré ses interlocuteurs que dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, le Tchad encourage les investisseurs privés à venir s'installer au Tchad, car cela va en plus générer de l'emploi. Les étudiants tchadiens vivant en Inde ont aussi eu une rencontre avec le Premier ministre. Ils ont surtout échangé avec le chef du gouvernement sur leurs conditions d'études. Gassissou Sakanga. Venus des différentes localités de l'Inde, les étudiants tchadiens vivant dans ce pays se sont retrouvés ce lundi 12 mars 2018 à New Delhi pour échanger avec le Premier ministre Paimi Padake Albert. Regroupés au sein d'une association, quelques responsables ont présenté leurs doléances au chef du gouvernement. Doléances qui vont des conditions parfois difficiles d'études aux relations souvent distantes entre le consul honoraire en charge du Tchad en passant par le rapport avec les autorités de leur terre d'accueil. Les étudiants ont demandé au gouvernement dans un premier temps la création d'une structure pouvant les absorber facilement à la fin de leurs études, car la plupart est spécialisée dans l'ingénierie informatique, un domaine promoteur et évolutif. Ils ont également sollicité l'appui du Premier ministre d'intervenir auprès du gouvernement indien afin de permettre aux étudiants tchadiens de passer des stages et formations de courte durée sur place en Inde. Le dernier sujet à être abordé est le cas d'un tchadien incarcéré depuis 3 ans en Inde pour avoir obtenu anormalement un titre de séjour. Le Premier ministre Paimi Padake Albert a promis s'investir personnellement auprès des autorités indiennes, par exemple pour trouver une solution au problème des stages. Pour le cas du Tchadien incarcéré, le chef du gouvernement a dit avoir été déjà informé de l'affaire et que les autorités indiennes vont intervenir conformément à leur juridiction. Paimi Padake Albert, en bon père de famille, a prodigué quelques conseils aux étudiants tchadiens vivant en Inde. Vous devez être par votre comportement pointé entre vous des ambassadeurs de notre pays en Inde. À travers vous, l'Indien ne verra pas X ou Y individuellement, mais à travers vous, l'Indien verra le Tchadien.
Et donc, vous portez donc un fardeau. Ce fardeau, c'est l'image de notre pays. La solidarité à laquelle je vous appelle est un facteur d'unité pour notre pays. En effet, il ne peut y avoir de nation prospère si les compatriotes ne sont pas soudés entre eux, ne sont pas liés par cette volonté de vivre ensemble. Et cette volonté se manifeste mieux quand on se trouve à l'extérieur du pays. Si en long qu'ils sont au total 182 étudiants tchadiens dans les différentes localités indiennes, parmi lesquels 4 boursiers. Un accord transitoire a été signé ce soir entre le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et le gouvernement. Les deux parties ont pris des engagements pour sauver l'année académique en cours. Adef Ahmad Benrama. Après plusieurs jours de moultes négociations, gouvernement et syndicat national, les enseignants et chercheurs du supérieur SINEX viennent de trouver un terrain d'entente. Un accord transitoire 2018 pour sauver l'année académique en cours a été signé. Les termes du dit accord prévoient des engagements de chacune des parties. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a salué la maturité d'esprit des militants du SINEX, a fondé son espoir sur la signature de cet accord. Vous savez tous que le ministère de l'Enseignement supérieur a ses impératifs. Les activités académiques et de recherche sont soumises à un agenda, un calendrier qu'il faut nécessairement tenir. C'est cette réalité spécifique qui vous a guidé à accepter cet accord. D'ores et déjà, je peux dire qu'à travers ce geste que nous venons de poser, l'année académique 2017-2018 sera sauvée. Pour le ministre de la Fonction publique, l'acte posé par le SINEX est à saluer. Nous saluons l'attitude et le sens du devoir de l'ensemble des chercheurs et responsables des universités du Tchad à travers leurs associations et leurs syndicats. Nous pensons que l'acte posé aujourd'hui pourra nécessairement entraîner d'autres actions qui concourront à la reprise de la situation sociale dans notre pays. Les engagements pris, le ministre de l'Enseignement supérieur appelle les étudiants à reprendre le chemin des universités et instituts dès ce mardi 13 mars 2018. Le contenu de cet accord est dévoilé par le secrétaire chargé de négociations et des revendications du SINEX, Dr Naditono Ngar Mahim. Suivez. Le gouvernement s'engage à 1. Payer sans délai les salaires du mois de février à l'ensemble des enseignants et chercheurs du supérieur. Assurer la régularité des salaires acquis et substituer à l'application intégrale du décret 687 l'application de la retenue proportionnelle de 0 à 35% jusqu'à la refonte et à l'harmonisation du régime indemnitoire des agents de l'État. Aligner les indemnités et primes des enseignants et chercheurs du supérieur sur leur salaire, assurer les arriérés des salaires des contractuels du supérieur, les honoraires de vacation, les primes, indemnités, heures supplémentaires, frais de jury et de la dernière tranche de la bourse Concofort au plus tard le 30 avril 2018. Parachever dans les meilleurs délais les procédures d'attribution des terrains d'habitation aux enseignants et chercheurs du supérieur n'ayant pas encore bénéficié, en application du protocole d'accord du 6 septembre 2015. S'engager à appliquer au SINEX
tout accord plus favorable consenti par le gouvernement avec une autre organisation syndicale et portant sur le même objet que le présent accord transitoire, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, SINEP, s'engage à reprendre immédiatement les activités académiques et de la recherche sur l'étendue du territoire et observer une trêve sociale pendant la période transitoire. Donc, s'impliquer pleinement dans toutes les actions de la feuille de route adoptée par le gouvernement en vue de la maîtrise de la masse salariale et de la sortie de crise. Enfin, les deux parties s'engagent à poursuivre le dialogue et à respecter scrupuleusement les clauses du présent accord qui entre en vigueur pour compter de la date de sa ceinture. Comme vous le savez, un appel a été lancé par quelques partis de l'opposition et une partie de la société civile pour observer une journée ville morte sur l'ensemble du territoire national. Une journée ville morte pour protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Notre reporter Christelle Ngardomdana a sillonné la capitale pour savoir si l'appel a été suivi ou non. Reportage. Lundi 12 mars 2018, un jour ordinaire comme les autres. N'Djamena, la capitale, vit et respire. Les différents acteurs de la capitale grouillent du monde. La circulation est dense. Le mot d'ordre de l'opération Ville Morte n'a pas reçu un écho favorable. Ce n'est pas le cas. Les commerçants commencent par s'étaler, sortir leurs marchandises et tout ça. Le constat est presque le même au marché central et au marché de Dembe. Dans les deux marchés visités, l'engouement est visible. Les boutiques sont restées ouvertes. Les vendeurs sont sortis tôt, comme d'habitude, pour étaler leurs marchandises. Moi également, j'ai appris qu'aujourd'hui, il y a ville morte, mais finalement, je vois qu'il n'y a rien de réalité. Donc, c'est pourquoi je suis venu au marché. S'il y a ville morte, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de gens comme ça, mais c'est annulé compte parce que si réellement, s'il y en a, je crois qu'il y a beaucoup de pertes humaines, il y a beaucoup de dégâts. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas ville morte, c'est pourquoi on est sorti. Nous les Tchadiens, on ne considère pas plus ce qu'on vient de dire là. Quand on dit la vie est morte, là, tout le monde doit rester à la maison, mais certaines personnes viennent au marché, donc nous-mêmes on sera obligés de venir au marché. Quand tu restes à la maison, tu n'arrives pas à rester bien. C'est pour cela qu'on vient de chercher quoi trouver là. On rappelle, l'opération Ville Morte a été lancée par les partis politiques de l'opposition et autres organisations de la société civile. En politique, un regroupement de 5 partis vient d'être mis sur pied. Force nouvelle pour le changement, c'est le nom de ce regroupement qui déjà se prépare pour les législatives. L'annonce a été faite par le vice-président du mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens, Ahmad Adanao Adoudou. C'était au cours d'un point de presse. La crise que traverse le pays n'a pas été occultée. Un extrait de ses propos. Notre position ainsi que notre vision sur la chaîne politique nationale et internationale n'ont pas changé. Nous restons toujours centristes, c'est-à-dire nous n'appartenons pas à la majorité présidentielle ni à l'opposition, mais nous agissons dans l'intérêt du peuple tchadien et d'autres classes politiques tchadiennes. Nous voulons vous dire que les élections législatives et communales se pointent à l'horizon. Les candidats composés des hommes et femmes doivent être de bonne moralité. L'objectif est de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que notre parti politique œuvre sans relâche pour la paix sociale, sorte d'un véritable développement. À cet effet, nous appelons les gouvernements et les syndicats à solutionner la crise actuelle dans un esprit social. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour une maîtrise de la masse salariale figure le recensement physique des agents de l'État. L'opération a commencé ce matin
Comment est-ce qu'elle se déroule? Notre reporter Mohamed Omar Morsal a fait le tour de quelques ministères où l'opération a commencé. Reportage. Le recensement physique des fonctionnaires, contractuels et décisionnaires de l'État est effectif dans les différents ministères visités. Au total, 10 centres du recensement sont prévus. Au premier jour de l'opération, l'on observe un réel engouement. Au ministère de l'élevage, qui est la première étape de notre constat, c'est le chef du département qui est le premier à se faire enrôler. Ici, dans ces couloirs du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité publique, c'est un embouteillage total. Chaque agent de l'État muni de ses pièces cherche à se faire recenser le plus tôt possible. Même son de cloche à la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Finances et du Budget. 9h du matin, voilà, je viens de sortir il y a cela quelques minutes. Ben, on nous a demandé toutes les pièces, c'est-à-dire quels documents, l'intégration, les réavancements, la titularisation et une carte photo-identité. Donc on a présenté et puis bon, tout est bien passé. L'impérieuse nécessité de ces recensements physiques des agents de l'État a été soulignée par le coordonnateur des opérations. Pourquoi ce recensement se fait? Ce recensement se fait pour enrayer le déphasage qu'il y a entre les salaires payés et l'effectif réel des agents de l'État. C'est pour disposer d'un fichier fiable de gestion. Un fichier fiable qui donnera le même effectif des agents, tant au niveau de la solde qu'au niveau de la fonction publique. Ces recensements physiques ne durent que 19 jours. C'est pourquoi le coordonnateur appelle tous les agents de l'État à être dans les délais au risque d'être pénalisés. C'est une opération qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. À Ati, dans la région du Bata, le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région, Aliou Adoum Abdoulaye. Mama Tahir Djibrinadour. Pour la région du Bata, une équipe composée de 8 personnes dirigée par Djenodi Djimtoingar aura à recenser du 12 au 31 mars les agents fonctionnaires, contractuels et décisionnaires de l'État dans les 3 départements que compte la région. Selon le chef de mission Djenodi Djimtoingar, les agents doivent se faire recenser quelle que soit leur position administrative, c'est-à-dire en activité, en congé, malade, en détachement ou en disponibilité. Ce recensement a pour but de maîtriser la masse salariale pour enfin maîtriser la situation financière du pays. Vu le caractère physique de ce recensement, le gouverneur de la région du Bata, Aliou Adoum Abdoulaye, a lancé un appel à tous les agents en service dans la région de se présenter le plus tôt possible au centre de recensement pour se faire identifier. Aux délégués régionaux et aux chefs de service, le gouverneur leur demande de mobiliser et encourager leurs agents pour la réussite de cette opération. De l'espoir et du sourire après des soins reçus gratuitement à l'hôpital de la mère et de l'enfant grâce à la fondation Grand Cœur. Les patients sont des personnes victimes de malformations. Ces patients ont subi des opérations chirurgicales. Jusqu'au 18 mars, des soins seront donnés gratuitement à cette catégorie de malades. Abdul Keoul. La vie de ces enfants n'est plus en danger. Autrefois atteints de la malformation congénitale, ce dernier vient de retrouver le sourire et ce grâce à l'intervention des médecins venus spécialement du Sénégal au compte de la Fondation Grand Cœur. L'opération s'est déroulée avec succès. Donc, le bilan est très satisfaisant. Aujourd'hui, à moins d'une semaine, nous sommes à une trentaine d'interventions. Les choses se passent très très bien et nous travaillons en collaboration donc avec les équipes que nous avons trouvées ici. Je pense qu'au terme de la mission, les effectifs vont être encore plus importants. La Fondation Grand Cœur a mis la joie au cœur des familles des patients. À part Djibrin Moussa, d'autres parents ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit de la première dame Hinda Déby Itno pour avoir sauvé la vie de leur progéniture. L'opération de la malformation congénitale se poursuivra jusqu'au 18 mars prochain.
Flashback sur la célébration de la Journée internationale de la femme à Sarre dans la région du Moyen-Chari. Idriss Omar Idriss. À la place publique de Sarre, toutes les femmes des cours sociaux professionnels et celles des associations sont venues célébrer la Journée internationale de la femme. Et c'est après une semaine de brassage et de retrouvailles, malgré la crise socio-économique profonde, à entendre la présidente du comité d'organisation. L'appropriation de cette semaine demeure encore ambiguë chez bon nombre de nos compatriotes qui la considèrent comme un moment de réjouissance ou de décoration vestimentaire. Placée sous le thème « Paix et sécurité », les femmes, en commémorant cette journée, insistent sur l'application des résolutions des Nations Unies sur les droits de la femme, mettant terme aux activités de la Semaine nationale de la femme. Et à la Journée internationale de la femme, le gouverneur de la région n'a qu'un seul message. J'ose croire que les séries de conférences organisées ont largement contribué à votre éducation, à élever votre esprit, à conscientiser votre âme. Youssef Modou Mbami a souligné que cette commémoration est un fruit de combat que les Américaines ont livré au prix de leur vie pour améliorer leurs conditions de travail et valoriser leur statut. Parlant toujours de l'autonomisation de la femme, la ville d'Amdjaras dispose désormais d'une antenne CELIAF. C'est la cellule de liaison et d'information des associations féminines. Elle est responsable de cette antenne, en pris fonction le 10 mars dernier. Katnouba Théophile. Réseau national de droit tchadien, créé le 23 novembre 1996 et autorisé à fonctionner depuis le 11 mars 1997, la cellule de liaison et d'information des associations féminines, CELIAF, compte plus de 1250 organisations de base affiliées, avec un effectif de membres individuels de plus de 25 000 femmes. La CELIAF est présente dans 16 régions du pays. L'antenne sera pour vous un cadre d'échange, de réflexion et de renforcement de vos capacités. Représentant le gouverneur de la région de l'Enidi-Est, le secrétaire général régional, Mab Mara, a salué les actions louables que mène la CELIAF au profit des femmes et des filles. L'installation de l'antenne de cette organisation féminine permettra certainement, selon le secrétaire général régional, de faciliter les campagnes de sensibilisation et la mise en œuvre des projets d'appui à la scolarisation des filles et à l'autonomisation de la femme de la région de l'Enidi-Est. La commune de Kélo a voté un budget pour l'exercice 2018. Ceci pour renflouer donc les caisses afin de mieux remplir son cahier de charges. La commune compte prélever les taxes d'habitation. La collecte des ordures et l'assainissement de la ville a fait également l'objet d'une planification. Les précisions avec Amat Ngarasta. C'est désormais connu. Le budget de la mairie de Kélo s'élève à hauteur de 351 millions de francs CFA. Et c'est après 10 jours d'exercice que les conseillers municipaux sont arrivés à bout de chemin. Pour le secrétaire général du département de la Tandjilé-Ouest, Ali Abakar Issa, les agents de la mairie doivent se mettre à l'ouvrage afin de remplir convenablement leurs tâches. Le plan budgétaire de la commune de Kélo prévoit le recouvrement des recettes à travers la taxe d'habitat, l'enlèvement des ordures, la canalisation des artères et la restructuration de certains quartiers. Décret portant restructuration du canton Ounia, sous-préfecture d'Ouyanga-Kébir, département de Fada, région de l'Enidi-Ouest. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Sur proposition du ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, décrète, article 1er, le canton Ounia, sous-préfecture d'Ouyanga-Kébir, département de Fada, région de l'Enidi-Ouest, est restructuré, ainsi qu'il suit, canton 1, canton Ounia 1, chef-lieu Ounyanga-Kébir, canton Ounia 2, chef-lieu Ounyanga-Kébir. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 12 mars 2018, signé le président de la République, Idriss Déby Itno.
Décret portant nomination de M. Abdeljalil Tahir Abdeljalil, chef de canton Marfa, sous-préfecture de Marfa, département de Ouara, région du Wadaï. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du Territoire et de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, décrète, article 1er, M. Abdeljalil Tahir Abdeljalil est nommé chef de canton Marfa, sous-préfecture de Marfa, département de Ouara, région du Wadaï, en remplacement de Mohamed Alhaj Djoubal, décédé. Article 2, le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers et bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 et numéro 629 du 15 septembre 2016 suivisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 du 15 septembre 2016 suivisé. Article 3, le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République d'Amena le 12 mars 2018, signé le président de la République Idriss Déby Itno. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé-Tchad.